Donc, je m'appelle Mathieu Maure, je suis l'un des deux dirigeants du groupe IBGraph. IBGraph est un intégrateur de solutions de gestion, actif depuis 40 ans en Belgique et depuis 33 ans au Grand-Duché de Luxembourg. Notre rôle au quotidien est d'accompagner nos clients, qui sont des PME et des fiduciaires, dans leurs projets informatiques et de manière générale dans l'évolution de leur entreprise. Et puis FIT, l'histoire remonte il y a 6 ans. L'un de mes collaborateurs de l'équipe commerciale m'avait interpellé sur son constat sur le monde de la fiduciaire et plus particulièrement sur l'absence d'accompagnement au niveau des fiduciaires dans le digital. Et donc, derrière l'idée de créer un séminaire où on allait aborder cet accompagnement et les solutions informatiques qui vont avec, a été amorcée et on en est à présent à la 6e édition. Édition cette année sur le thème de l'écosystème, on aurait pu le faire il y a 6 ans, mais je pense que entre-temps, le terme écosystème s'est encore accentué. Pour la faire simple, aujourd'hui un écosystème, c'est un ensemble de briques qui touche aussi bien au pré-accounting, c'est-à-dire la collecte de documents pour une fiduciaire, l'accounting, donc plutôt le côté quotidien et le traitement, et le post-accounting, donc tout ce qui est en rapport avec la clôture, avec les comptes annuels, et derrière tout ça également la partie service que la fiduciaire va pouvoir déployer auprès de ses clients, du recouvrement, de la facturation, de l'open banking, du reporting. Et donc tous ces éléments-là, on ne les retrouve plus aujourd'hui chez un seul et unique éditeur. Il faut donc frapper à plusieurs portes, assembler ces briques. Et c'est notre rôle en tant qu'intégrateur de conseiller les clients et de les aider dans cet assemblage. L'avenir va probablement de plus en plus vers de l'automatisation. Donc clairement les plateformes, les logiciels de comptabilité, avec notamment l'arrivée du PayPal, de l'open banking, et de l'intelligence artificielle vont permettre de pouvoir automatiser le traitement quotidien. Et les fiduciaires vont de plus en plus se positionner comme un conseiller, comme un accompagnateur de l'entreprise, de l'entrepreneur, du dirigeant, dans le processus décisionnel et stratégique. On parlera plus de data, voire même de big data, qui toucheront naturellement toujours au passé pour ce qui est légal, les comptes annuels notamment, mais plutôt dans la partie stratégique sur le présent et sur le futur. Et donc, au travers de différents outils, de différentes solutions, la fiduciaire pourra vraiment être le bras droit du dirigeant, de l'entrepreneur, et donc lui permettre de prendre les bonnes décisions dans le bon timing.